m'appelle Vincent Rhodes, je joue de l'électronique dans le groupe Énergie Noire, donc un duo machine et saxophone. Avec ce duo, on a pour habitude de revisiter les cadres qu'on a construits dans l'écriture, dans la composition, en essayant de, à chaque fois, renouveler un petit peu nos propositions. C'était pas possible d'accueillir du public sur le site cette année. On a décidé de remplacer la semaine où aurait dû avoir lieu le festival par une semaine de présence pleine des artistes, donc à savoir le projet Énergie Noire et aussi Feather City. Moi, c'est Manuel Perrault. J'exerce le métier de peintre muraliste sous le nom de FZR Seti. On pourrait me qualifier d'ornemaniste, mais d'ornemaniste contemporain, je prends vachement en considération le lieu, l'espace, comme dans le cadre de la résidence. L'idée, c'était de sortir une track par jour, ce qui nous permettait d'associer une production graphique de Feather aussi chaque jour, qui est devenue donc l'artwork de chaque track. Ce qu'il y avait d'intéressant dans ces enjeux-là, c'était de faire rentrer en résonance nos pratiques, l'histoire, les légendes locales et le lieu en lui-même. On a décidé de travailler un peu sur cette idée de sorcellerie dans le pays des Abers, en essayant de nous raconter des histoires autour de ça pour pouvoir en inventer des nouvelles qu'on a mis en musique et en images pour cette création qui s'appelle donc Witch's Brew. Alors le processus s'est fait de manière assez naturelle, dans le sens où il y avait déjà beaucoup de passerelles dans nos deux pratiques. Et donc là, ça va surtout se baser sur d'abord des échanges verbaux. Donc on va essayer de faire des analogies, des passerelles entre l'écriture du son et sa forme graphique pour les artworks. Par rapport aux choses qui ont pu se connecter avec le travail de Feather. En fait, on s'est assez vite rendu compte, avant même de commencer le travail, c'est-à-dire dimanche quand on est arrivé et qu'on a commencé à échanger tous les trois, on a pu constater qu'il y avait un maximum de connexions possibles en fait, entre nos travaux et nos champs d'expression respectifs. C'est-à-dire que à la fois la relation au nombre, le fait de jouer avec des chiffres, le fait de travailler sur des choses qui se répètent, cette notion de pattern, de motif, voilà, c'est des choses qui sont aussi, qui existent dans notre musique. De lisibilité, je pense.
La contrainte, une fois qu'elle est comment assumée, elle libère beaucoup. Donc en fait, la contrainte, c'est quelque chose qui fait sens avec la musique qu'on fait, puisqu'on joue avec, on joue avec en permanence. Là, en plus, le challenge, il était beau pour le coup. C'est vraiment produire quasiment un disque sur une semaine, tout en s'inspirant aussi d'un lieu qui est magique. On fait résonner en fait ce lieu-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire sonner ce lieu-là, parce que c'est comme une relation humaine, c'est qu'on arrive dans un lieu avec tout le background qu'on a. Donc je joue d'une certaine manière, Vincent produit des sons d'une certaine manière, mais le fait de les produire dans un lieu particulier, en tout cas, va altérer forcément un peu les choses, et puis on rentre en résonance avec le lieu. Il y a des pulsations, il y a des tempos de morceaux qu'on a joués qui ont été définis par des samples bruts qui ont été faits ici. Donc clairement, tout a été conditionné pour ça. Et de la même manière, en fait, Feezer, il travaille aussi la matière de manière directe. C'est-à-dire que là, il a été amené à produire des œuvres avec des matériaux qu'il ne connaissait pas. Lieu qui m'aura bien marqué, et je pense que pour les autres c'est pareil, ça nous a vraiment mis une claque, c'est le Moulin de l'Enfer, où on a pu en fait nous enregistrer dans une épave. Il se trouve que Feezer lui aussi a pu bénéficier de l'épave comme support pour son graphisme et tout ça, donc je crois que c'était un lieu vraiment, vraiment chargé et vraiment hors du temps pour le coup, puisque quand on est dans une épave, on est bien hors du temps. Première fois qu'on fait ça. Je veux dire, le fait de d'écrire, enregistrer et mixer un morceau par jour, enfin voilà, moi j'ai jamais fait ça
avant cette semaine. Donc rien que ça, en termes d'expérience, c'était déjà quelque chose de très fort et de très... Ouais, ça... On repousse les limites, quoi, et ça, c'est super.